Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au sein de ce Grenelle de l'orientation, deuxième du nom, un an et demi après la première édition. Une crise sanitaire, un confinement, un déconfinement et un reconfinement plus tard, nous voici réunis en mode hybride autour du plan régional pour une orientation tout au long de la vie, parce que le sujet le justifie, parce que l'orientation est une clé fondamentale, la clé des champs des possibles, celle qui ouvre les horizons et donne de l'air, à condition d'être présente sur tous les trousseaux. Vous le voyez, la distance est respectée sur ce plateau. Nous avons donc pu ôter nos masques. Nous sommes connectés à vous et vous êtes près de 700. Merci et nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 avec un outil qui vous permettra d'interagir et qui nous permettra d'échanger. Vous pourrez poser vos questions dans la boîte à questions située à droite sur votre écran et nous prendrons deux moments pour échanger de cette façon, puisque c'est ainsi que nous pouvons le faire aujourd'hui. Avant d'entrer dans le détail, je vous propose d'ouvrir officiellement ce deuxième Grenelle de l'orientation en compagnie de Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, et connectée à nous, William Marois, recteur de l'Académie de Nantes. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors le premier Grenelle a été suivi de l'élaboration d'un plan, un travail collectif, Christelle Morancet, dont nous allons cet après-midi découvrir déjà les déclinaisons en action très concrètes. Cet événement est surtout maintenu, même dématérialisé. Pourquoi avoir voulu l'organiser, j'ai envie de dire quand même ? Bonjour à toutes et tous. J'aimerais saluer le recteur, saluer l'ensemble des conseillers régionaux et tout particulièrement André Martin, le vice-président en charge de ces enjeux qui sont très très forts et importants pour le conseil régional, pour tout à chacun, parce que si vous êtes 700 à être connectés, vous êtes très très nombreux. Moi je me réjouis vraiment d'avoir maintenu cet événement, parce que quand on voit le succès, 700 personnes, c'est énorme, et je pense que c'est important dans le contexte actuel. Alors d'abord, bien évidemment, je pense que c'était important de faire un premier bilan du plan orientation que nous avons adopté, de savoir ce qui réussit, ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment été l'état d'esprit depuis le début, de savoir réajuster, de mettre aussi en avant des mesures fortes. Je pense à l'Orientibus qui sillonne, enfin, un petit peu moins en ce moment, mais qui sillonne l'ensemble de nos territoires, l'ensemble de nos établissements. Je pense aussi au site Choisir mon métier qui a été lancé, mais c'est vraiment l'enjeu de pouvoir échanger, de partager sur l'ensemble des mesures prises. Et puis dans le contexte actuel, vous l'avez dit, je pense que c'est important de maintenir les événements, de pouvoir se réinventer, de pouvoir garder ses contacts et surtout sur les enjeux d'orientation, parce que pour les jeunes, je pense notamment, cette période est toute particulière et on ne doit pas les laisser de côté l'orientation. Moi, j'ai le souvenir sur la rentrée de septembre d'avoir échangé avec de nombreux jeunes justement sur ces questions d'orientation. On a même d'autres projets qu'on aurait dû mettre en place au mois de novembre. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous l'a pas permis. Mais l'orientation, ça ne doit pas être une variable d'ajustement ou quelque chose de mis de côté, bien au contraire. Je pense que c'est l'occasion pour nous de se saisir à nouveau de ces enjeux avec peut-être des nouveaux moyens, comme c'est le cas aujourd'hui avec ce Grenelle de l'orientation. Bravo à l'ensemble des équipes d'ailleurs qui se sont mobilisées pour faire en sorte que cet événement soit maintenu. Alors maintenu, tout comme le plan, mais avec des ajustements, quelles sont les évolutions que vous avez souhaité apporter pour faire face précisément à la crise ? Et c'est vrai que cette crise sanitaire en découle une crise économique et sociale. Et ce qui est important, et moi ce qui m'anime depuis le début, c'est faire preuve de réactivité, de flexibilité et surtout de simplification dans nos dispositifs et savoir se réajuster. Alors bien évidemment, l'enjeu, c'est d'abord de protéger et soutenir l'ensemble des jeunes. Je pense notamment en termes de décrochage scolaire. On a apporté aussi des mesures très, très concrètes dans le décrochage scolaire lors du plan de relance qu'on a adopté dès le mois de juillet, très très tôt, justement pour pouvoir anticiper aussi le premier confinement et d'être opérationnel dès le mois de septembre.
C'est également un accompagnement vis-à-vis aussi des familles, des étudiants aussi dans cette période, sur un appui aussi psychologique, le prêt de matériel informatique, etc. Soutien aussi total à l'apprentissage. Vous savez, mon attachement, même si nous n'avons plus la compétence, nous continuons à nous engager pleinement aux côtés des CFA, aux côtés des apprentis. Je serai d'ailleurs tout à l'heure au niveau des premiers noms concernant le concours MAF qui a lieu donc à côté d'Angers avec les fleuristes. Puis je vous l'annonce aussi un petit peu en avant-première, nous l'avions dit et nous le faisons dans quelques semaines, la mise en place du portail apprentissage qui va à nouveau voir le jour. Vous voyez, on n'a pas cette compétence, mais on continue bien évidemment à soutenir. C'est un enjeu bien évidemment essentiel. Et puis de profiter de cette période, j'ai envie de dire, sur le volet numérique, je pense qu'il faut s'en saisir. Je pense notamment à l'Orientibus qui a vu, on a vu l'Orientibus totalement en numérique. On a également tout ce qui est métier sur la réalité virtuelle, etc., en immersion totale, comme nous avons dans l'Orientibus. Je pense que ça, il faut vraiment le développer. Et puis, voilà, c'est l'enjeu du numérique aujourd'hui, il est là, il faut s'adapter. Et je pense peut-être saisir cette crise comme une opportunité sur des nouveaux supports. Et on voit bien d'ailleurs, les jeunes sont très friands de ces outils. On l'a vu au moment du déploiement de l'Orientibus. C'est vraiment les outils qu'ils vont chercher, plus que du papier. Donc peut-être saisir cette crise comme une opportunité pour déployer un maximum le numérique sur cet enjeu de l'orientation, qui est un enjeu très très fort. Et souvent, je le dis, et on l'avait évoqué lors du premier Grenelle, notamment un moment un peu angoissant vis-à-vis des familles ou des jeunes. Donc à nous de faire en sorte que ce soit plutôt un moment aussi de partage en famille, un moment de partage avec l'ensemble des acteurs. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que finalement le mot d'ordre pour ce deuxième Grenelle de l'orientation que nous ouvrons, c'est l'optimisme ? Ah oui, alors moi, c'est ce qui m'anime déjà depuis quelques temps. On le sait bien, le contexte est extrêmement compliqué, mais la réponse à cette crise, elle est collective. J'y crois vraiment beaucoup. C'est tous ensemble, main dans la main, en se retroussant les manches, qu'on va pouvoir y faire face. Et puis surtout, encore une fois, de regarder vers l'avenir. Je pense que c'est essentiel. Il y a plein d'opportunités. Je le disais, cette crise, il faut vraiment prendre le côté saisissons les opportunités de cette crise pour aller de l'avant. Et puis cette responsabilité, surtout, c'est pour les générations à venir, nos enfants et nos petits-enfants. Donc moi, voilà, je garde bien évidemment, même si ce n'est pas simple. J'ai beaucoup de rencontres. On voit bien, c'est extrêmement difficile. Je pense notamment aux commerçants, etc. Mais plein de secteurs, même les plus démunis aujourd'hui. Mais on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant pour pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup Christelle Morancet. Aller de l'avant ensemble, et bien précisément, on va rejoindre William Marois qui est connecté à nous. Bonjour William Marois, vous êtes recteur de l'Académie de Nantes. Bienvenue. Bonjour. Alors, binôme, je le disais, indispensable lorsque l'on parle d'orientation, binôme renforcé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Qu'est-ce que ça a changé et comment tout se met bien en place et en pratique depuis le premier Grenelle ? D'abord, bonjour à Madame la Présidente du Conseil régional. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait tout drôle de parler devant un écran d'ordinateur, de ne pas pouvoir vous voir, de ne pas pouvoir vous rencontrer, de ne pas pouvoir échanger. Mais l'important, c'est tout de même de se rencontrer. Donc, je suis très heureux que ce Grenelle 2 de l'orientation se déroule. Alors, la loi du 5 septembre 2018, elle se situe tout de même dans le prolongement de partenariats très confiants avec le Conseil régional, hein, des partenariats sur l'offre de formation, des partenariats sur l'apprentissage, des partenariats sur le décrochage scolaire, des partenariats sur les activités éducatives nigériennes. Alors, après la publication de la loi, je crois qu'en Pays de la Loire, tous ensemble, on a été très réactifs, hein, puisqu'on a signé une convention qui définit ce partenariat, les responsabilités de chacun dès le 30 janvier 2019. Et puis, un récent comité de pilotage qui s'est tenu au mois d'octobre a permis de faire un premier point, hein, sur toutes ces actions. Je pense qu'on peut... On peut articuler un peu les points forts autour de trois grands thèmes. Et l'un d'eux a déjà été évoqué par Madame la Présidente. Le premier thème, c'est
tout ce qui tourne autour de l'information sur les métiers, sur les formations, c'est l'Orientibus. Alors, actuellement, je profite de cette situation un peu particulière où il n'y a plus de réunion parisienne pour visiter beaucoup de collèges et beaucoup de collèges ruraux. Je peux vous dire que dans les différents départements, l'Orientibus dans les collèges ruraux est quelque chose de particulièrement apprécié parce que c'est une occasion pour les jeunes d'avoir des informations avec des instruments qu'ils pratiquent en plus, qui vont leur permettre de faire leur choix plutôt que d'être obligés de se déplacer. Et il y a certains endroits où la distance est quelque chose qui pèse aux équipes et qui pèse aux élèves et aux familles. Et puis, c'est aussi la bourse de stage. Ce sont les ambassadeurs qu'il faut continuer à construire en renforçant le lien avec les conseillers entreprises pour l'école. Et puis, je crois qu'on va continuer à travailler pour articuler tout ce qui est fait avec le parcours à venir, qui est l'un des quatre parcours éducatifs, notamment au sein des collèges, puis ensuite au sein des lycées. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, bien entendu, c'est le numérique. Et on a vu avec la crise qu'on a connue, avec la fermeture à partir du 16 mars des écoles, des collèges et des lycées, toute l'importance du numérique. D'abord, il a fallu que tout le monde s'adapte à une période un peu compliquée. On a vu l'importance, par exemple, d'Illico hein, pour les collèges et les lycées dans l'académie. Et puis, le numérique, cette année, il va jouer un rôle peut-être encore plus important que l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, quand on a fermé le 16 mars, beaucoup d'élèves avaient déjà connu les grands salons, les salons académiques, les salons départementaux, tout ce qui est organisé habituellement au mois de novembre, décembre, janvier, février. Tout ça, ils avaient pu le fréquenter sans aucune difficulté. Hein. Cette année, aucun salon ne se tient. C'est-à-dire que les salons habituels, les grands salons académiques, ils vont se tenir de manière virtuelle. C'est-à-dire que en décembre, en janvier, peut-être même encore malheureusement en février, il va falloir utiliser encore plus le numérique pour que cette génération d'élèves qui a à faire des choix à la fin d'une classe de troisième, à la fin d'une classe de terminale, soit pas une génération sous-informée par rapport aux autres. Donc il y a vraiment tout un travail à faire collectivement sur ce volet du numérique et encore plus pour cette génération que pour celles et ceux qui ont eu à faire ces choix pour la rentrée 2020. Et puis, le troisième thème, c'est le décrochage. On travaille très, très étroitement ensemble sur le décrochage scolaire au travers des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Et dans le rapport qui a été fait notamment par Madame Charrière, qui est députée au niveau national sur le décrochage, on avait bien vu qu'on est une académie, une région, on est peut-être la région où ces plateformes fonctionnent le mieux. Donc, je crois qu'il faut, grâce à l'appui du Conseil régional, continuer à les bien faire fonctionner. Ça figure aussi dans la convention de janvier. Le Conseil régional a lancé très récemment un appel à projet aussi pour renforcer les actions de décrochage dans les établissements scolaires. Je ne peux qu'inciter les chefs d'établissement à y répondre. Et puis, ensemble, il faut qu'on travaille sur un dossier important qui est lui-même issu de ce rapport de Madame Charrière et de Monsieur Roger sur le décrochage scolaire, qui est celui de la formation des 16-18 ans qui ne sont pas en emploi, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en apprentissage. Et ça, c'est aussi un dossier sur lequel il faut qu'on s'engage. Donc, moi aussi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'on a su tous ensemble, collectivement, réagir face à une situation complètement inattendue que même des auteurs de science-fiction n'auraient peut-être pas imaginé. Et je pense qu'on saura aussi tous ensemble réagir et continuer à agir pour bâtir l'avenir des jeunes Ligériennes et des jeunes Ligériens. Donc, merci à vous toutes et tous qui êtes derrière vos écrans, que je ne peux malheureusement pas voir, mais merci à vous toutes et tous pour votre engagement. Merci à Madame la Présidente du Conseil Régional et à toutes ses équipes et aux membres du Conseil Régional pour leur soutien dans toutes ces actions que nous bâtissons en partenariat. Un grand merci à vous, William Marois. Merci aussi, Christelle Morancet. Je vous propose de poursuivre avec, effectivement,
4 axes, 22 mesures. Oui, derrière les mots, il y a des ambitions et du très concret, des outils développés pour s'ajuster aux besoins, créer les bonnes connexions, les bonnes rencontres tout au long d'un parcours de vie. Voici les bases du plan d'orientation tout au long de la vie, sur lequel on revient maintenant, en accueillant André Martin, vice-président du Conseil régional, président de la commission emploi, apprentissage, formation professionnelle et insertion, et Anne-Sophie Fagot, conseillère régionale. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour André Martin. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur les grandes lignes de ce fameux plan d'orientation tout au long de la vie ? Oui, tout à fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Ce plan d'orientation régional en faveur donc de tous les publics se présente en 4 axes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Un axe pour tout d'abord découvrir les métiers, aller à la rencontre de professionnels, découvrir les métiers qu'ils exercent, mieux les connaître, mieux les appréhender. Ça, c'est le premier axe que nous avons travaillé. Le second axe concerne, lui, plus particulièrement le choix, la méthode qui va permettre de choisir la formation, puis ensuite le métier qui nous convient, sachant que évidemment il y a des préoccupations de métiers en tension qui vont entrer en jeu dans ce choix. Un troisième axe va porter, lui, sur le rebond tout au long de la vie. C'était une des ambitions de Christelle Morançais, permettre à tous de pouvoir donner un autre sens à une carrière professionnelle, à un projet professionnel, en repartant en formation ou en allant découvrir d'autres métiers dans d'autres entreprises. Donc c'est le rebond qu'on propose en axe 3. Et puis un dernier axe, l'axe 4, qui nous permet d'agir évidemment collectivement, c'était l'un des mots forts que la présidente a pu utiliser tout à l'heure. Le combat en faveur de l'orientation, il est collectif, donc il s'agit de coordonner les acteurs et développer les partenariats à l'image de celui qu'on a avec le rectorat, comme le recteur a pu l'exposer. Merci. Alors, on va rentrer bien sûr au cours de cette émission dans le détail de ces 4 axes. Merci. Donc, bien sûr, la période, on en a parlé, n'a pas permis d'effectuer tout ce qui était initialement prévu et notamment la consultation auprès des élèves et des jeunes. Mais un questionnaire a été envoyé à tous les lycées. Anne-Sophie Fagot, quel a été le moyen de collecter de l'information et surtout un mot peut-être sur les retours ? Oui, alors initialement, le Grenelle que l'on avait préparé sans la crise sanitaire était un Grenelle sur le thème du numérique avec les questions d'orientation. Comment le numérique peut être un levier fort pour accompagner les questions d'orientation. Donc le challenge, on l'a relevé, ce qui fait qu'on est aussi présent aujourd'hui à travers ce deuxième Grenelle. Et on a réussi à obtenir une consultation très riche puisque nous avons plus de 3300 réponses de jeunes qui nous ont répondu. Essentiellement des lycéens, une petite proportion de collégiens, et leurs réponses sont vraiment très précieuses pour nous permettre de nous réinterroger sur nos dispositifs et les faire évoluer pour répondre au mieux à leurs demandes et les accompagner de façon pertinente sur leur choix d'orientation. Donc si vous le voulez, on peut peut-être voir les premiers résultats. Et je précise pour nos auditeurs que le questionnaire est toujours en ligne et que nous pourrons vous l'adresser avec des éléments d'analyse plus précis ensuite par email pour vous permettre de continuer cette réflexion. Alors la première question qui se posait relevait de la source principale d'information. Comment est-ce qu'un jeune, vers qui se tourne-t-il pour obtenir des réponses sur l'orientation ? Eh bien, en grande majorité, il se tourne vers sa famille. À peu près autour de 27% des jeunes se tournent en premier lieu vers leur famille. Mais quand même, un peu plus de 21% se tournent vers Internet. Donc on voit que l'écart entre la source principale d'information, entre le réseau familial et Internet, eh bien, se restreint et donc les outils numériques prennent une place tout à fait essentielle pour la recherche d'informations sur l'orientation. Alors deuxième question, ces outils informatiques, ces outils numériques pour l'orientation, où y accèdent-ils ? Eh bien, ils y accèdent de façon majoritaire chez eux, à leur domicile, que ça soit, y a pas un temps privilégié, que ça soit au cours de l'année ou bien pendant les vacances, ils l'utilisent assez de façon continue durant l'année. Et puis ensuite, ils font appel à des moteurs de recherche beaucoup plus précis et des leviers d'information beaucoup plus précis avec des sites de référence. On pense en particulier à l'ONICEP et à l'étudiant.
On continue sur la question qu'on leur a demandé, c'est comment est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on leur parle d'orientation. Et donc là, on s'aperçoit que de façon très nette, c'est à travers la relation. C'est à travers un contact d'une personne qui peut donner son avis, qui peut partager son expérience, partager son parcours, partager peut-être aussi ses erreurs et ses rebonds. Et donc, de façon très massive, c'est par cette relation, ce soutien personnel qui peut se faire soit à travers un contact, un échange, soit à travers un soutien beaucoup plus personnalisé, pourquoi pas dans un cadre plus institutionnel, tel qu'au cours au sein de son établissement scolaire, ou par voilà, tout type de relation. Ce qui est intéressant, c'est que dans les champs de réponses libres, et je souhaitais vous le partager, a été identifié le ton de cette relation. Ils attendent quelque chose de positif, un ton positif qui leur permet d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, ils ont besoin qu'on leur ouvre le champ des possibles. On poursuit sur les différents outils et comment est-ce qu'on souhaiterait qu'on leur en parle. Là aussi, ce qu'ils attendent en premier lieu, ce sont vraiment des informations très claires et précises et à titre vraiment important sur les métiers et les formations. Que ça soit de la passerelle, quel métier, comment choisir mon métier, mais aussi quelle formation me mène à quel métier. Donc c'est vraiment sur les métiers, les formations, et avec une information claire, précise, concrète. On poursuit sur cette information sur les métiers et les formations peut être évoquée. Là encore, c'est tout à fait cohérent, en premier lieu par un accompagnement individualisé. Un accompagnement individualisé, mais aussi un accompagnement en groupe, mais en tout cas un format qui permet cet échange direct de façon privilégiée à l'oral. Ce qui n'empêche pas que ça soit par des outils numériques, la preuve en est aujourd'hui, mais en tout cas, ce contact personnalisé. Avec des professionnels, mais aussi des enseignants, ils ont soulevé le fait d'avoir, pour certains, plus d'échanges avec leurs professeurs, parce que finalement, les professeurs les connaissent bien aussi sur ce qu'ils sont, sur leur aspiration, et d'avoir un échange qui pourrait se faire sur un temps plus long. Voilà, et sur les outils, ils sont très ouverts aux outils. Et l'outil numérique n'a pas fait preuve d'un lever de bouclier. Les outils numériques sont parmi les outils auxquels ils sont tout à fait prêts à avoir recours pour avancer sur ce sujet. Alors, quand on leur a demandé ce qui leur manquait le plus pour avancer sur leur orientation, je souhaitais quand même le souligner qu'un quart d'entre eux ont exprimé le fait qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et donc que l'orientation, c'est quand même important de le rappeler, c'est difficile. C'est difficile et anxiogène de prendre une décision et de prendre une décision qui a des conséquences importantes sur la formation et sur la vie ensuite qui en découle. Donc un tiers quand même a manifesté les grandes interrogations sur l'orientation. Ensuite, un tiers ont évoqué des difficultés à obtenir une information. Une information sur les métiers, une information sur les formations. En tout cas, une information qui soit suffisamment claire pour eux pour être rassurante et s'engager sereinement sur ce parcours. Ensuite, nous avons à peu près 30% des jeunes qui ont évoqué le manque d'échanges concrets. Ces échanges qui, la plupart du temps, servent à conforter un choix, une première intuition. Ces échanges, ils sont précieux pour s'engager et prendre cette décision. Et puis, environ 30% également évoquent le besoin d'aide et de conseils plus réguliers, notamment avec leurs enseignants. Choisir son orientation, c'est effectivement difficile. Je l'évoquais et effectivement, le questionnaire fait ressortir ce point important qu'on doit avoir en tête. Et ce qui fait que voilà, une part importante encore des jeunes sont dépourvus et ont besoin de ce contact premier pour engager une démarche concrète d'orientation. Merci
Merci beaucoup Anne-Sophie pour Anne-Sophie Fagot pour ces retours très illustrés. On voit qu'il est nécessaire de nourrir la curiosité et ce besoin de relations, d'échanges. Ça tombe bien, on reste ensemble pour ouvrir la première séquence, celle qui est consacrée à l'axe 1, découvrir les métiers. Et où en sommes-nous en ce mois de novembre 2020 sur ce premier axe, découvrir les métiers? Réponse avec ces quelques images en guise de point sur l'état d'avancement des mesures de ce premier axe. Voilà pour ce point. Alors évidemment, ça a été vite et rassurez-vous si vous n'avez pas eu le temps de tout lire, tout ce que vous allez voir et lire comme visuel, eh bien vous pourrez les retrouver sur en intégralité ainsi que cette émission sur choisirmonmétier-paysdelaloire.fr. L'Orientibus, on vient de le voir, sillonne effectivement les collèges et les lycées de la région avec son approche innovante des casques de réalité augmentée pour mieux s'immerger dans les univers professionnels. Une ouverture très large sur toutes les options possibles. Direction Saint-Hermine en Vendée pour une petite visite au Collège de l'Anglais. Dans le cadre de la construction du parcours à venir, on essaye d'offrir aux élèves un certain nombre d'actions destinées à leur ouvrir des orientations, des formations possibles. Et l'avantage pour nous de l'Orientibus, c'est qu'il vient à domicile offrir beaucoup de choses auxquelles les élèves n'auraient pas accès, étant donné un petit peu l'isolement de l'établissement, hein, qui est en zone rurale. Dans le casque, on était vraiment, on voyait bien ce qui se passait, on était, c'est comme si on y était. J'ai vu la restauration, ça décrit bien le métier. Et moi j'ai vu la boulangerie, ça m'a en tout cas appris ce qu'il y avait dans les boulangeries, tous les matériels et tout. Notre manière d'apprendre, du coup, on est peut-être plus intéressé que si on était en cours. Même si on avait peut-être une idée en tête, ben, du coup, on peut découvrir d'autres choses et peut-être avoir d'autres idées pour plus tard. Et ça m'a donné envie de faire pas mal de choses. Ce sont les trois classes de quatrième qui bénéficient et de l'Orientibus et d'un certain nombre d'ateliers associés, notamment la présentation par les CFA de plusieurs corps de métiers, des métiers du bâtiment, des métiers de l'artisanat, des métiers de la métallurgie, de l'agriculture, du paysage. La présentation de l'apprentissage en tant que voie de formation et puis un atelier pour justement rappeler les fondamentaux de l'orientation. C'est fait pour nous mettre à l'aise, pour ne pas s'inquiéter si on n'a pas encore trouvé le métier qu'on voulait faire plus tard.
c'est bien, je trouve. En cinquième, les élèves font des fiches métiers en étant associés au forum des métiers. En quatrième, ils ont une journée complète avec plusieurs ateliers. Et en troisième, ils font un stage en entreprise. En quatrième, on a le temps de découvrir sans avoir la pression. Et c'est un outil, oui, très intéressant pour nous. Voilà pour la tournée de l'Orientibus, André Martin. Cette tournée a été maintenue dans le contexte sanitaire et elle s'est même enrichie. Comment ? Tout à fait, cette tournée s'est maintenue. C'était un des objectifs et le recteur l'a rappelé. On a pu le voir dans de nombreux collèges et lycées. On a pu voir 3 Orientibus au cours de l'année 2020. L'objectif fixé par Christelle Morancet, c'était d'atteindre le nombre de 5. Le quatrième est en cours de livraison. Le cinquième sera là au tout début du mois de janvier. Nous aurons donc un Orientibus par département, ce qui permettra évidemment plus d'aisance pour les collèges et les lycées dans la réservation de l'outil et dans la mobilisation des équipes, puisqu'un Orientibus, c'est une équipe pédagogique, mais c'est aussi des accompagnateurs que la région met à disposition tout au long du parcours. Avec une approche très innovante, et on le voyait sur les images. D'autres actions sont en cours, toujours pour attiser la curiosité, finalement. C'est ça l'idée. Oui, l'idée, c'est de promouvoir des initiatives nouvelles et en partenariat, j'allais dire, avec ma collègue Isabelle Leroy, en charge des lycées. Nous avons lancé il y a quelques semaines des actions éducatives ligériennes destinées à l'orientation. L'idée, c'est tout simplement de recueillir des initiatives dans les lycées et permettre à Isabelle Leroy et à sa commission lycée de les soutenir tout simplement. Par ailleurs, il y a aussi une décision qu'on a pu prendre voilà quelques jours en commission permanente. C'est aussi de donner la main aux territoires. Les territoires, ce sont les intercommunalités, les EPCI, dit-on dans notre jargon. Et c'est leur donner des moyens financiers, une enveloppe de 5000 euros pour pouvoir initier des projets en faveur de la connaissance des métiers qui sont sur leur territoire. Soutenir partout les initiatives qui vont dans le sens d'une découverte des métiers. Merci beaucoup. Comment valoriser tous ces métiers ? Susciter l'intérêt pour des formations lorsque l'on est confiné, pas forcément très facile. Comme tous les événements, les salons n'ont pas pu se tenir dans leur format classique. Mais ce que l'on appelle désormais la virtualisation des salons pourrait bien devenir un atout d'avenir très complémentaire. Je vous propose d'en parler avec la directrice de la rédaction du magazine L'Étudiant qui est avec nous virtuellement. Bonjour Ariane Despierre-Ferry. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Merci à vous. Donc. Voilà, mais ça tombe bien, on est très cohérents puisque la virtualisation des salons était peut-être dans les cartons, en tout cas imaginée avant l'arrivée du virus. Elle est devenue une tendance, on peut même dire une tendance lourde. À quel moment avez-vous basculé en mode virtuel ? Alors, avec le coronavirus, on a eu une petite chance, on va dire, à l'étudiant, c'est-à-dire que notre saison, la plupart de nos 130 salons se tiennent entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc, vous le savez, nous avons été confinés en mars. À ce moment-là, nous avions réalisé presque l'ensemble de nos salons. Alors, on dit salon physique aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas de sens, mais il faut quand même les délimiter. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait un premier salon virtuel au mois de juin. Et pour l'organiser, nous avons cherché un prestataire et nous avons décidé d'utiliser une solution, quelque chose qui ressemble à un salon. Que finalement, un salon, vous en parliez tout à l'heure dans vous avez présenté les résultats de l'enquête. Ce que cherchent les jeunes gens, c'est du contact, des explications et des personnes pour répondre à leurs questions. Lorsqu'on trouve sur un salon, qu'il soit virtuel finalement ou physique, c'est une mise en relation, c'est la possibilité d'explorer des choses, la possibilité de se renseigner et d'échanger. Quand je disais tout à l'heure qu'on avait pris un prestataire qui propose quelque chose qui ressemble à un salon physique, la solution que nous utilisons, c'est une solution en 3D, avec comme sur un salon, un hall d'accueil, des espaces thématiques, des stands et des salles de conférences. C'est presque une immersion virtuelle finalement, un peu comme dans les casques qu'on voyait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est virtuel, c'est l'interface. Nous, tout notre enjeu, c'est évidemment que ce salon ne soit pas virtuel dans sa finalité. Sa finalité, c'est des contacts, des échanges, des conseils et de l'aide. Alors justement, qu'est-ce qu'on va trouver sur un salon virtuel qui est similaire finalement à un salon physique ? On a les stands, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez des centaines d'exposants qui vont se présenter. Il y a des conférences sur lesquelles on va permettre d'exposer certaines problématiques et de
engager la conversation, des questions et des réponses. Et alors ça, ça va passer par des outils qui, justement, eux, sont différents. Ces outils, ce sont des chats, des vidéos. Donc là, la vidéo et la possibilité de prendre des rendez-vous, ce sont des choses qui sont spécifiques au salon virtuel, qu'on ne trouve pas sur un salon physique où on se rend et où on entre directement en contact. Donc là, ça permet une anticipation aussi de la relation. Il y a aussi quelque chose qu'on trouve sur le salon virtuel, c'est le téléchargement. C'est-à-dire que c'est un document sur un salon physique. Habituellement, on va vous donner une plaquette ou des éléments. Et là, vous pourrez télécharger exactement soit des plaquettes de présentation pour ce qui concerne les formations. Sur le stand de l'étudiant, nous évidemment, nous mettons des hors-séries spécifiques à des domaines d'enseignement ou des métiers à disposition. Et nous avons également des guides que nous éditons chaque année. Et ce qui se passe aussi avec un salon virtuel qui va être très intéressant, c'est qu'il est à distance. Donc, le fait de ne pas avoir à se déplacer permet deux choses. De faire venir des personnes qui n'ont pas cette possibilité, qu'ils soient en France ou à l'étranger, et j'y reviendrai pour ce qui concerne l'étranger, ou alors de consulter ou de revoir en replay des vidéos de conférences au moment qui vous arrange. Donc, en fait, il y a cette forme de souplesse qui est extrêmement utile et qui est un des éléments, finalement, une des valeurs ajoutées de ce type d'événement, puisque ça reste un événement. Et en ce qui concerne l'étranger, je voulais vous faire part de deux choses que nous avons, nous, expérimentées à l'étudiant. Nous avons un salon qui s'appelle « Partir étudier à l'étranger » qui est actuellement, ce salon virtuel est actuellement en cours. Donc, ça nous a permis de faire venir des formations, donc de l'ensemble des pays qui souhaitent s'adresser à des candidats français. Alors habituellement, certains se déplacent, hein, lorsque nous tenons ce salon au mois de novembre à Paris. Et bien là, cette fois-ci, la mise en relation est évidemment facilitée. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que nous avons eu la possibilité de nouer un partenariat avec les lycées français à l'étranger, ce qui, dans le cas d'un salon ordinaire, en tout cas physique, n'a évidemment pas les mêmes enjeux. Là, nous pouvons permettre à des élèves qui étudient dans le système français de se renseigner sur des formations en France lors de nos salons virtuels sans avoir à se déplacer. Donc, vous voyez, le fait d'être à distance permet de voir, revoir, revenir aussi, parce que parfois, cette démarche d'orientation, elle est complexe. Et nous, le salon virtuel se déroule sur plusieurs jours, voire un mois ou un peu plus pour certains d'entre eux. Donc, ça permet d'approfondir ou en tout cas de revenir pour rencontrer d'autres exposants ou assister à d'autres conférences ou visualiser en replay les conférences que nous proposons. Donc, finalement, cette expérience, demain, pourrait venir enrichir des expériences physiques, pour reprendre le terme employé tout à l'heure. Parce qu'en fait, on se rend compte de plusieurs choses. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, évidemment, pour une personne qui organise des salons, enfin pour une entreprise qui organise des salons, un média, c'est évidemment de proposer du contenu, de l'information et de proposer de la mise en relation sous la forme d'un salon. Aujourd'hui, cette mise en relation n'est plus possible telle qu'elle était par le passé. Donc, nous sommes un petit peu les éclaireurs, ceux qui doivent innover et qui doivent expliciter ces innovations également. C'est-à-dire que nous avons un rôle de conseil et d'accompagnement, à la fois auprès des exposants et à la fois auprès des visiteurs, à la fois pour faire comprendre qu'on parle d'un salon virtuel, donc qu'il ne faut pas le visiter tel qu'on a l'habitude, ou en tout cas se présenter, pour ce qui concerne les exposants, tel qu'on en a l'habitude sur un salon physique. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est à la fois d'avoir une solution technologique qui soit innovante, qui possède les fonctionnalités qui vont permettre justement ces interactions, ces mises en relation et d'aller jusqu'au bout finalement de la démarche d'orientation pour le visiteur ou pour l'exposant de présentation de sa formation, et d'être aussi un petit peu des précurseurs dans le sens où, comme cette démarche change, nous avons besoin de faire de la pédagogie, que ce soit avec les exposants ou avec les visiteurs, pour comment je vais préparer ma visite et comment je vais me préparer à me présenter sur un salon. Ensuite, lorsque nous sommes sur le salon virtuel, comment est-ce que je vais interagir, entrer en relation, apporter des réponses là où les élèves, les candidats qui vont se présenter ou les visiteurs qui vont se présenter vont oser ou non aussi entrer en relation. Donc, nous avons des fonctionnalités qui permettent, voilà, entre guillemets, d'interpeller une personne qui serait sur le stand en train de consulter de la documentation ou de visualiser
une vidéo de l'école. Et ensuite, il y a tout l'aval, parce que ce travail de contact suite à un salon, il se fait habituellement lors d'un salon physique où vous laissez vos coordonnées. Là, la personne, elle va laisser ses coordonnées sur le stand, ou alors parce qu'elle s'est inscrite précédemment à une conférence ou quelque chose comme ça. Donc là, la réactivité et la manière de reprendre contact ensuite pour les exposants ou pour les visiteurs va être très importante. Et lorsque vous disiez que nous intégrons ces solutions, nous envisageons et nous sommes en train de préparer effectivement une intégration à plus long terme, ce sera justement en capitalisant sur ces caractéristiques que le salon virtuel propose versus le salon physique, puisqu'effectivement, ce que ne remplacera pas un salon virtuel, on va dire, c'est ce côté un petit peu subjectif, ressenti et l'interaction entre personnes. Donc, c'est complémentaire et oui, un outil très utile et nouveau. Source d'innovation et de créativité, en tout cas. Merci beaucoup, Ariane Despierres-Ferry. Vous restez avec nous. Il y aura peut-être tout à l'heure des questions pour vous. Des salons virtuels aux outils numériques, il n'y a qu'un pas et je vous propose que nous le franchissions maintenant en ouvrant la séquence consacrée à l'axe 2, choisir son métier et sa formation. Une séquence complète consacrée au portail régional de l'orientation et ses outils riches, nombreux, à utiliser le plus largement possible, à commencer par le site choisirmonmétier-paysdelaloire.fr, page d'accueil, agenda, choisir son métier, sa formation, fiche, page, mon orientibus en ligne ou Pocket CMM. Voici un aperçu de toutes les possibilités offertes par ce site. Parmi les nombreuses options du site choisirmonmétier-paysdelaloire.fr, on retrouve l'invitation à rejoindre Rencontre un pro. Cet outil, Alexis Desjeux, chef d'entreprise, l'utilise et l'apprécie. Je vous propose d'écouter son expérience, celle d'un communicant ravi de pouvoir parler de son métier. Rencontre un pro, c'est un site internet sur lequel vous vous inscrivez gratuitement en tant qu'entreprise ou salarié ou gérant de l'entreprise et de pouvoir échanger avec des demandeurs d'emploi, des gens en reconversion professionnelle qui cherchent à mieux comprendre notre métier. Donc en l'occurrence, moi j'ai une agence de communication et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à un moment, notre métier est parfois un peu méconnu. Et par cette plateforme, on choisit notre périodicité, 2-3 fois dans le mois, les contacts qu'on veut avoir, la forme, est-ce que c'est en entreprise ou juste par téléphone ou en visio. Et derrière, on y consacre le temps qu'on veut pour parler de son métier, aider la personne à s'orienter. Donc Rencontre un pro, j'y suis depuis le mois de juillet. J'ai rencontré 5 ou 6 personnes en recherche de problématiques autour de la communication. Et c'est vraiment des très belles expériences et des très belles rencontres humaines.
Rencontre Impro, ce que ça apporte à mon entreprise, il y a pour moi deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est la présentation de mon métier, une forme de pédagogie, d'explication à l'autre de ce que c'est la communication, qu'il y a des méthodes, que c'est pas un métier intuitif, c'est un métier qui nécessite un professionnalisme, et donc ça permet de parler de mon métier, de l'expliciter, et je trouve que c'est un premier point important. Le deuxième point important, c'est pour moi la marque employeur. Ça permet à des entreprises de permettre à leurs salariés de parler de leur métier, de dire qu'ils sont bien dans leurs entreprises, qui sont à l'aise, que c'est le métier, c'est ce qu'ils aiment faire. Et je pense que c'est un bon atout pour la marque employeur de l'entreprise aussi. Donc là, moi, je suis gérant de l'entreprise, mais j'ai aussi ma salariée qui participe à ce processus. Donc, c'est une super plateforme qui a, pour moi, tous ces atouts-là. Et il faut y aller, c'est gratuit. Et ça permet à chacun, en plus, de faire grandir l'autre. Donc, le collectif au service de tout un chacun, bah, c'est super. Et comme le dit si bien Alexis Desjeux à travers ce témoignage, un bon stage commence souvent par une bonne rencontre, sauf qu'elles ne sont pas facilitées par le contexte, évidemment. Qu'il s'agisse de stages de découverte en collège, de mini-stages en entreprise, de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages longs, la relation n'est pas simple. En créant la start-up My Future, Victor Guermin a précisément voulu fluidifier les mises en relation. Il est avec nous pour nous présenter la plateforme choisirmonstage.fr, développée avec la région et officiellement lancée au mois de septembre. Bonjour Victor Guermin. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Alors de quoi s'agit-il exactement et comment fonctionne cette plateforme ? Alors, donc, je suis Victor Guermin, effectivement le président de My Future, qui est donc ce qu'on appelle une start-up sociale qui aide collégiens, lycéens, étudiants dans leur orientation professionnelle et en particulier dans leur découverte des métiers. Et donc, on a créé et on anime pour le compte de la région choisirmonstage.fr qui donne accès aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants à une grande diversité d'offres de stages. C'est-à-dire qu'il y a des stages de découverte de troisième, il y a des mini-stages de 1 à 5 jours à réaliser pendant les vacances scolaires. Il y a des stages de la voie professionnelle, il y a des stages du supérieur, dans tous les secteurs d'activité et dans toute la région Pays de la Loire. L'atout principal de cette plateforme, c'est quoi ? Alors, il n'y en a pas qu'un, bien sûr, mais je pense que peut-être le principal atout, c'est la grande diversité des opportunités de stages qui existent. Donc là, à l'heure où on se parle, on a près de 2500 offres de stages avec un maillage territorial dense et une diversité en termes de type d'offres qui est très importante. Et puis, deuxième atout important, et pour rebondir sur l'enquête qu'on a vue tout à l'heure, c'est que c'est une plateforme qui est pensée pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on a construit un parcours utilisateur qui est en phase avec les usages numériques de ces jeunes et qui leur permet d'accéder aux offres et de postuler très simplement. Alors, on a parlé de ces stages et en particulier les stages de troisième. Un mot peut-être sur la semaine de découverte virtuelle proposée en guise d'alternative. Oui, tout à fait. Vous imaginez bien, et peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent, qui savent déjà et qui l'ont constaté, que les entreprises sont assez réticentes à accueillir des jeunes en stage dans le contexte actuel et en particulier en stage de découverte de troisième, en observation. Donc, on a créé une sorte de format alternatif à ces stages de découverte de troisième, avec le soutien de la région Pays de la Loire et avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale également, qu'on appelle la semaine de découverte virtuelle, et donc qui va permettre, sur trois semaines différentes, donc il y a la première semaine qui aura lieu la semaine du 14 décembre, il y en aura deux autres début février, et chacune de ces semaines va permettre à 3000 collégiens et lycéens de seconde de pouvoir découvrir des métiers pendant 5 jours. Donc c'est 25 heures de live avec des interviews de professionnels, des visites virtuelles d'entreprises, des ateliers autour de l'orientation. Et tout ça, les jeunes pourront y assister principalement depuis la salle de classe, idéalement, avec le concours des établissements scolaires, soit depuis chez eux, si c'est un format préférable. Donc, c'est innovant puisque ça peut aussi se vivre de façon collective, cette virtualisation du stage de troisième. Oui, tout à fait. On a construit tout un programme donc, qui s'étale sur 5 jours, avec en moyenne 5 heures par jour. Donc, c'est une alternance de temps de discussion avec des professionnels de tout secteur d'activité. C'est des temps qui se passent
en classe où on débriefe un peu l'échange qu'on a eu avec le professionnel. C'est des visites virtuelles d'entreprise. Voilà, mais l'idée importante, c'est qu'à l'issue de chaque temps de la journée, il y a un temps collectif et ou individuel pour assimiler toutes les informations qu'on a recueillies, puis pouvoir en discuter avec ses profs, ses camarades de classe, etc. Merci beaucoup, Victor Germain. Restez avec nous, il y aura peut-être des questions pour vous. Et je me tourne vers Anne-Sophie Fagot pour avoir une réaction sur ces témoignages. Alors, de Victor Germain, d'Alexis Desjeux, qu'on a entendu sur Rencontre Impro, et puis auparavant d'Ariane Despierre-Ferry sur la virtualisation des salons, finalement une approche pleine de créativité. Oui, c'est ça. C'est très réjouissant de s'apercevoir que, et comme l'a rappelé la présidente, la crise sanitaire ne nous amène pas à un statu quo. Bien au contraire, elle nous pousse à accélérer ces processus innovants qu'on avait déjà en gestation et sur lesquels on a tout simplement appuyé sur l'accélérateur. Je souhaiterais compléter les propos qu'on a entendus avec un projet aussi très important qui est le projet Étoile, qui réunit la région, le rectorat, l'université de Nantes, du Mans, d'Angers, également le Carrefour, sur où on a été lauréat d'un appel à projet sur un programme d'investissement d'avenir. Et ce projet a pour ambition d'améliorer l'orientation des jeunes Nigériens et de l'améliorer et de réduire les inégalités sociales, qu'il s'agisse d'inégalités géographiques ou sociales ou bien de genre. Et ce projet a pour ambition vraiment de faire en sorte que chaque Nigérien, peu importe où est-ce qu'il se situe sur le territoire, peu importe ses origines familiales, ait accès à une bonne information. Et une bonne information, c'est une information de qualité pour pouvoir faire un choix éclairé. Donc c'est un magnifique projet qui est en cours d'élaboration et qui portera ses fruits très prochainement. Nous avons également le souhait d'enrichir en continu cette plateforme Choisir mon métier, la rendre aussi plus fluide et avec une information toujours plus adaptée en fonction du public à laquelle elle répondra, puisque un jeune collégien n'attend pas le même niveau d'information qu'un lycéen. Donc notre plateforme continue de s'enrichir, elle est en permanente évolution. Et puis, je voulais également, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, je crois que la présidente en a parlé rapidement dans ses propos introductifs, nous lançons la plateforme Choisir mon apprentissage, qui devrait être opérationnelle en janvier. C'est une plateforme, là aussi, supplémentaire, qui va apporter un contenu très précis sur les filières d'orientation et aussi adapté à un public plus jeune. Merci beaucoup pour ces précisions sur les évolutions déjà dans les cartons et à venir pour 2021. Je vous propose que nous passions aux échanges, à cette première partie consacrée à vos questions, nombreuses bien sûr, on va les prendre dans quelques instants. Et on va d'abord écouter une première réaction, celle de Christophe Chollet, responsable des services du second degré collège et lycée à la direction diocésaine de la Sarthe. Il était également pilote du groupe régional Orientation pour l'enseignement catholique. Bonjour Christophe Chollet. Bonjour, bonjour. Alors une petite réaction sur ces deux premiers axes. Une première réaction avant d'ouvrir les questions, parce que ce des questions qui peuvent aussi être des commentaires, des réactions, et donc on vous écoute. Une première réaction qui est toute la richesse que l'on peut voir qui est proposée, et j'en remercie les différents acteurs, tout simplement parce que l'on voit que nos jeunes, aussi bien en collège, en lycée et post-bac, ont une capacité d'information conséquente. Et ce que j'entends, et ma première réaction serait de dire, les outils sont là, les initiatives sont là, et on peut se féliciter que malheureusement, dans le contexte actuel, les personnes pourraient rester, je dirais, chez elles sans être informées. En réalité, au contraire, chacun fait preuve d'initiative. Et ce que j'y vois dedans, c'est bien, et notamment au travers du parcours à venir, un accompagnement possible des équipes éducatives. Alors, quand je parle d'équipe éducative, bien sûr, ce ne sont pas que les professeurs, peut y avoir aussi les CPE, peut y avoir aussi tous les personnels qui tournent autour de nos jeunes. Et de ce fait-là, je crois le mot qui m'est venu immédiatement à vous écouter, c'est bien la notion d'échange. C'est-à-dire, je pense que si on veut qu'un jeune puisse s'inculturer au fil du temps vers un métier futur, il a tout intérêt, dès le plus jeune âge, à pouvoir échanger.
J'avais tendance à dire, j'ai été aussi chef d'établissement pendant 10 ans, j'avais tendance à dire quand un petit dit qu'il veut être pompier, on lui dit vas-y mon grand, eh bien pourquoi on ne pourrait pas au fil du temps permettre justement à nos jeunes de rêver, et puis on le sait bien, il y a bien des métiers qui n'existent pas encore, que nos jeunes feront dans quelques années, et c'est bien en leur permettant justement un échange, et puis d'expliquer à la fois ce que requiert tel ou tel métier, permettra à nos jeunes de le choisir et de réussir sa vie professionnelle. Alors c'est quoi la réussite professionnelle? Ça c'est propre à chacun, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que le matin de se lever et d'aller au travail avec grand plaisir. Le cœur léger. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, connectez à nous toujours Ariane Despierres-Ferry, Victor Guerminck, à mes côtés André Martin, Anne-Sophie Fagot. Et bien, à vous de nous transmettre vos questions. On va commencer par celles qui nous sont déjà parvenues. Je propose qu'on les prenne dans l'ordre. Une question sur les logiciels ou les sites internet que l'on peut utiliser pour des élèves en troisième, des élèves de troisième recherche d'orientation. Quel logiciel, vers où aller finalement pour commencer une recherche? André, Martin. J'aurais tendance à vous conseiller de vous connecter sur Choisir mon métier en Pays de la Loire. Alors c'est vrai que c'est un outil pour lequel le jeune va être un peu en difficulté s'il y va tout seul, mais cet outil qui a été mis en place grâce aux équipes du Carrefour permet de faire une découverte des métiers. Donc on va découvrir le métier, on va découvrir les formations qui vont avec, on va même territorialiser le métier, puisque à l'échelle de chaque bassin d'emploi, tout près du collège qu'on fréquente, on va pouvoir identifier les entreprises qui proposent ce type de métier. Donc j'ai envie de vous conseiller d'aller vers choisirmonmétier.fr, en Pays de la Loire évidemment. Également, vous annoncez que dans le cadre d'appel à projet, on a identifié d'autres outils, des outils qu'on va pouvoir faire connaître très rapidement maintenant et qui seront à disposition des équipes pédagogiques, donc en 5e, 4e, 3e, et puis d'autres qui seront accessibles au lycée. Merci beaucoup. Une autre question dans ce contexte sanitaire, comment maintenir pour les collégiens toujours, ça c'est compliqué, dans de bonnes conditions, les possibilités de découverte de métiers? Par exemple, on peut aller sur MyFuture. Oui, c'est ça, effectivement. Stage. Il a été évoqué le fait qu'un certain nombre de stages ont été annulés. Et c'est vrai que c'est tout à fait regrettable pour ces jeunes parce que l'immersion est tout à fait précieux pour découvrir un métier. Alors pour autant, les plateformes Choisir mon métier restent tout à fait pertinentes, y compris pour des collégiens. Il y a l'outil Rencontre un pro, oui. qui a été évoqué et qui est un outil qui permet d'avoir en tout cas un premier contact avec un professionnel. Et ce contact, s'il se passe bien, il peut ensuite déboucher sur un stage ou des informations complémentaires. Donc je pense que ça peut être une très belle alternative à ces stages annulés. Et puis, il va y avoir les forums virtuels qui ont été évoqués tout à l'heure, qui vont avoir lieu. Certes, c'est différent d'un salon physique, mais ils permettent, en tout cas, surtout pour un collégien qui n'a pas le même niveau d'urgence dans ses choix d'orientation qu'un lycéen, eh bien, de poursuivre sa réflexion, de cheminer et de faire des rencontres, de s'ouvrir et d'élargir le champ des possibles. Donc, en tout cas, je les invite à poursuivre ces démarches, même si c'est davantage sous le format numérique. Ben oui, on s'adapte évidemment au contexte. Les parents, et cela a été dit, sont des prescripteurs importants. Quelles actions en matière d'orientation à destination spécifique des parents? Voilà une question qui concerne évidemment tout le monde. Oui, c'est un drôle de métier, celui de parent, n'est-ce pas? Comment l'exercer au mieux? Tout d'abord, en se rapprochant de son établissement scolaire. Je crois que autour du rectorat, autour du recteur et de toutes les équipes sur le terrain, et notamment des chefs d'établissement, il y a une mission d'information des familles. Essayer de dédramatiser ce moment du choix de l'orientation. Donc ça, c'est un moment important. Et pour aller plus loin, grâce à l'Orientibus, nous préparons pour l'année prochaine un support, un outil qui permettra d'aller parler aux parents, de leur expliquer ce qu'est l'orientation, de leur expliquer que tout ne se joue pas au cours d'une année scolaire, mais sur un processus assez long, de la 5e jusque parfois à Bac plus 3. Donc essayer d'aller leur parler, de leur faire comprendre comment l'éducation nationale met en place ces programmes d'orientation et comment l'orientation peut devenir, après tout, une matière comme une autre dont on peut se saisir
tout seul à l'école avec ses enseignants, en famille, et puis au-delà peut-être dans des rencontres avec des professionnels, comme certains le suggèrent, moi, dans les questions que je vois apparaître. On a parlé de rencontre impro. Rencontre impro, c'est une rencontre pour un jeune, pour un adulte aussi, hein, puisqu'on on a des témoignages qui nous reviennent d'adultes en reconversion. Et rencontre impro, c'est souvent rencontre impro près de chez soi. Moi, à tout hasard, moi, samedi matin, en passant dans ma boulangerie, dans le cœur des Mauges, il y avait un papa, une maman et un jeune homme qui attendaient de rencontrer le boulanger pour aller discuter dans le pétrin quasiment, du métier, de ce que peut être ce métier et de ce que pourrait être la formation qui y conduit. Donc, c'est ce genre d'outil, rencontre impro, qui permet peut-être d'aller vers son voisin qui est boulanger, vers son voisin qui est dans le bâtiment, n'est-ce pas, monsieur Leclerc, et lui parler de son quotidien, de découvrir son quotidien. Voilà toutes ces possibilités de découvrir des métiers quand les stages tels qu'on les connaissait jusqu'à maintenant ne peuvent pas se dérouler. Je vous propose de poursuivre, on reste ensemble en ouvrant la troisième séquence de ce Grenelle. Place à l'axe 3, rebondir tout au long de la vie. Rebondir tout au long de la vie, capitaliser sur ses échecs, sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur du changement, en voilà bien des sujets d'actualité. Comment le plan d'orientation les transforme-t-il en actions concrètes ? Réponse d'abord avec ces quelques éléments visuels. Rebondir suppose que l'on soit tombé ou du moins qu'il y ait eu un arrêt, un mouvement. Et plutôt que de parler décrochage scolaire, c'est de persévérance scolaire dont il s'agit dans ce troisième axe. Nous allons rejoindre le délégué académique à la persévérance scolaire et à l'insertion, Régis Jacquemin. Il est d'APSI, hein, pour reprendre l'acronyme, et il est connecté à nous pour revenir sur le partenariat entre la région et le rectorat qui favorise précisément l'innovation en matière de persévérance scolaire. Mais en attendant de le rejoindre, peut-être quelques mots d'André Martin, puisque je crois que Régis Jacquemin n'est pas tout à fait connecté. Donc voilà, persévérance scolaire, rebondir de façon innovante. C'est tout l'enjeu du lien entre le rectorat et la région.
Tout à fait. Rebondir et rebondir à tout âge. Rebondir, en effet, quand on est dans une impasse dans le cursus scolaire qui est le sien. C'est donc pouvoir trouver des interlocuteurs quand on est au collège, quand on est au lycée. Des interlocuteurs qui sont donc en charge du raccrochage. Je préfère ça au décrochage, d'ailleurs. Il s'agit de raccrocher, de trouver une solution pour rebondir vers une autre formation, une autre manière d'apprendre, peut-être. Et donc, avec les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs et aussi aux assistants que la région a mis à disposition des PSAD. Nous avons un réseau qui se met sur le territoire, sur nos territoires en place. Et depuis peu, nous avons aussi choisi de mettre en place des référents orientation. Donc la région mobilise une partie de ses agents au plus près des territoires, au plus près des plateformes que pilote le rectorat dans ce partenariat pour apporter des solutions de rebond à ces jeunes le plus vite possible, parfois en leur offrant des voies de formation innovantes, l'apprentissage, la formation professionnelle continue. On a 16 ou 18 ans, on va pouvoir peut-être aller vers de la formation professionnelle continue, alors que théoriquement, c'est pas ce qu'on nous propose. Et puis, le rebond, c'est aussi un rebond, je disais, à tout âge. Donc, un rebond pour des salariés qui sont en reconversion, des salariés qui sont en mal d'emploi. À travers un autre réseau qui est celui de Transition Pro, nous avons fait le choix au plus près des bassins d'emploi, dans les EPCI, dans les centres socioculturels, dans les maisons de l'emploi. On a fait le choix de permettre à Transition Pro d'envoyer tous ses collaborateurs rencontrer salariés, demandeurs d'emploi, et les accompagner dans la définition d'un projet de formation ou dans la définition d'une recherche d'emploi. Et j'en parlais encore vendredi avec un autre acteur qui est la Maison de l'Orientation à Cholet, que vous connaissez bien, chère Cécile. John Davis m'expliquait que dans cette Maison de l'Orientation, on accueillait aussi des salariés qui parfois étaient confortés dans leur métier, qui parfois imaginaient évoluer dans leur métier et dans leur entreprise. Donc ce n'est pas forcément pour fuir son cadre d'emploi, mais c'est aussi pour évoluer dans son cadre d'emploi. Et puis le rebond, c'est, vous l'avez vu dans la petite vidéo, une solution aussi pour les plus âgés des actifs, les seniors, dit-on. Alors ils ont plus de 45, plus de 50, voire plus de 55 ans parfois. Et avec le réseau de la fondation Agir contre l'exclusion, la fondation FAS, nous allons proposer donc des seniors académies, des parcours pour ces personnes de 50, 55 ans qui vont pouvoir, elles aussi, identifier les solutions pour rebondir vers un autre emploi, vers une autre carrière, parce que parfois la fin de carrière est encore loin. Et oui, rebondir, c'est tout au long d'un parcours de vie, d'un parcours professionnel. On va rejoindre Régis Jacquemin qui est connecté à nous. Donc, je le vous disais, délégué académique à la persévérance scolaire et à l'insertion. Vaste programme que cette notion, je trouve très jolie, de persévérance scolaire. Régis Jacquemin, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, effectivement, je peux souligner un partenariat très actif avec la région Pays de la Loire. En effet, nous réalisons beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions et nous mettons en place des projets qui peuvent être innovants et qui nous permettent d'avoir une certaine souplesse quant à notre réaction. On peut prendre un exemple sur la souplesse avec ce qui s'est passé dans le confinement. Dès qu'il y a eu le déconfinement, nous avons pu mettre en place un travail avec les établissements, les plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs et les assistants de lutte contre le décrochage scolaire sur les PSAD, nous ont permis de prendre contact avec des jeunes qui restaient chez eux et qui ne voulaient pas tout de suite revenir immédiatement dans les établissements. Donc voilà, beaucoup d'actions très pertinentes, aussi des actions sur les appels à projets pour les jeunes qui seraient perdus dans leurs établissements, des jeunes pour éviter le décrochage. Et puis aussi un appel à projet récent sur le matériel informatique, donc appel à projet qui nous a permis de répondre, d'équiper plus de 1000 élèves en matériel informatique. Voilà pour ce partenariat innovant qui permet des réactions très rapides. Et puis, on voit bien que les résultats le montrent. Nous sommes une académie, une région avec un taux de NITS très, très faible. Et un dernier point, nous avons évidemment un gros travail en cours, c'est la mise en œuvre de l'obligation de formation des 16-18 ans. Et là, évidemment, nous attendons un partenariat fort avec la région et avec d'autres acteurs comme
l'Association régionale des missions locales, et puis la haute commissaire à la lutte contre la grande pauvreté et la DIRECT, bien entendu. De quoi s'agit-il exactement quand on parle mise en œuvre de cette formation obligatoire des jeunes de 16 à 18 ans? Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu plus de précision? Alors, pour la formation obligatoire des jeunes de 16 à 18 ans, en fait, jusqu'à 16 ans, il y a une obligation de scolarité. Donc là, les jeunes sont obligés d'aller en établissement scolaire, et c'est la direction académique départementale de l'éducation nationale qui va affecter les jeunes dans les établissements. Par contre, pour la partie 16 à 18 ans, en fait, tout jeune qui est entre 16 et 18 ans doit être soit en formation comme auparavant, soit en mission locale, soit en service civique, soit en emploi. Donc, c'est un nouvel engagement que nous faisons en partenariat avec la région, avec le conseil, avec l'Association régionale des missions locales, avec tous nos partenaires, pour que tout jeune soit repéré sur le territoire, tout jeune qui ne serait inscrit nulle part, et qu'on lui fasse une proposition d'appui, par exemple, d'appui de retour en formation initiale, une autre disposition d'apprentissage, de prépa-apprentissage, d'autres, voilà, plein de solutions différentes. Un travail avec l'AFPA aussi, un appui en mission locale, voilà. Donc, pour que tout jeune soit suivi jusqu'à ses 18 ans, à minima. Un dernier mot en guise de clin d'œil, pourquoi persévérance plus que décrochage? L'affirmer, c'est déjà aller dans le bon sens? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, il faut rester positif, évidemment. Le décrochage scolaire, bien avant, il y a quelques années, monsieur le recteur ne souhaitait pas qu'on appelle la mission de lutte contre le décrochage scolaire, mais avait appelé nos dispositifs des pôles d'insertion de l'Académie de Nantes. Donc, nous avons repris un peu cette thématique en insistant sur la persévérance scolaire, comme ça, cela se fait au Québec. Nous inspirons beaucoup aussi de ce qui est fait au Québec. Eh bien, merci beaucoup, Régis Jacquemin. Je vous propose de découvrir et d'ouvrir une dernière page, celle qui est consacrée à l'axe 4, agir et coordonner au service de la performance des acteurs. Et on commence, une fois n'est pas coutume, par un bref rappel illustré de l'avancée des différentes mesures de cet axe en images. Agir et coordonner, oui, c'est essentiel quand on parle prévention du décrochage, notamment, et nous l'évoquions à l'instant. Et dans ce registre-là, les missions locales constituent un partenaire précieux. Je vous propose de le constater en écoutant et en rejoignant Régis André, directeur de la mission locale de la Mayenne. Bonjour Régis André. Bonjour. Bienvenue parmi nous, préorientation, révélation de potentiel caché derrière les appellations Wire, W-H-I-R-E et Immersive Job Discovery. Ce ne sont pas des bandes-annonces de films, mais de très belles idées à partager largement et je vous propose de nous en dire un petit peu plus. Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc les Régis, a priori, sont à l'honneur aujourd'hui. En introduction, donc Régis André, donc, je suis directeur de la mission locale de la Mayenne. Donc les missions locales sont partenaires de la région Pays de la Loire sur notamment l'orientation, la formation et l'appui aux décrocheurs.
et profiter pour dire tout simplement un merci à la région pour la confiance et le soutien accordé au réseau dans ce contexte un peu particulier. Alors très rapidement, donc les missions locales font partie d'un réseau national et régional, 21 missions locales en région Pays de la Loire, dont l'ADN est commun, c'est l'accompagnement global vers l'emploi, la formation et l'autonomie de façon plus globale. 45 000 jeunes accompagnés en 2019, dont 5 600 entrées en formation sur cette même période. 50% des entrées sur le dispositif Prépa Avenir, M. Martin, vous en avez rappelé un petit peu l'idée, sur cette période, donc proviennent de la mission locale. Et puis, un réseau mobilisé grandement sur le plan hashtag Un jeune, une solution, pour favoriser l'emploi, l'embauche en tout cas des jeunes, l'alternance et puis la formation. Et puis pour finir sans trop détailler, puisque M. Jacquemont en a parlé, donc la mise en place de l'obligation de formation sur cette fin d'année avec de nombreux partenaires, l'État, la région et puis l'éducation nationale et tous les partenaires, donc des fameuses plateformes d'appui au suivi décrocheurs. Voilà, donc une actualité très riche pour les missions locales. On a répondu notamment à un appel à projet mené, donc lancé par la région sur action d'orientation innovante. La mission locale a eu la chance d'avoir deux projets retenus. Je vais maintenant vous en faire une présentation très concise. Donc, tout d'abord, la première action, c'est l'action Moi Demain, avec pour objectif de créer et systématiser un service de préorientation. Alors, Wire, c'est une start-up sociale. Wire, c'est aussi un dispositif d'accompagnement innovant, valorisant, alliant humain et numérique. C'est un outil de développement personnel, surtout à visée d'insertion professionnelle. Donc, en résumé, avec Wire, les conseillers accompagneront le jeune à révéler sans détour son potentiel caché, ses envies. Et sur Wire, avant d'être un candidat ou un diplôme, le jeune est avant tout une personne. Il a une histoire de façon à raconter de façon authentique et des choses à montrer. Alors, rapidement en images, je vais lancer une vidéo présentée par Camille Famé. Bonjour, je suis Camille, fondateur de Wire. Voilà. Je vais vous présenter l'exemple de la page Wire d'une jeune, Maïla, qui n'a pas encore de projet. Dans le cas de Maïla, il s'agit d'abord de se raconter. Elle va raconter dans ce qu'on appelle des stories, ses passions, ses rencontres, des expériences professionnelles ou non. Et ce, dans le format de son choix. Ça peut être du texte, des images, on voit ici, mais aussi des vidéos. L'idée, c'est de faire ressortir, à partir de ces récits, des qualités, des compétences, des atouts, des motivations. Ce qui est par exemple ressorti dans l'exemple de Maïla, c'est son goût pour l'écriture, ses capacités rédactionnelles, mais aussi sa créativité. Et c'est cela qui a permis à sa conseillère d'imaginer avec elle des pistes de projets et des solutions. Une fois que ces pistes sont définies, les jeunes peuvent se servir de leur page pour défendre leur projet professionnel auprès des employeurs en leur envoyant cette carte de visite qui permet à l'employeur de découvrir le jeune, de découvrir ses motivations profondes, le pourquoi de son projet en première page, puis ses atouts, ses compétences, ses qualités à travers des exemples concrets. Voilà, très rapidement présenté cette action Wire, où le jeu en tant qu'individu est questionné de façon ludique dans ce process d'orientation. La seconde action sur laquelle on aura plaisir à travailler s'appelle Immersive Job Discovery. Elle a quant à elle pour objectif d'inciter les jeunes à découvrir des métiers porteurs et à mobiliser la réalité virtuelle au service de l'orientation. Cette action co-construite avec de nombreux partenaires, vous les avez sur la gauche, et en premier lieu la mission locale du Choletais, peut se résumer en quatre axes. Le premier, la formation de conseillers à la démarche d'utilisation de la réalité virtuelle et des outils immersifs dans le travail d'orientation. Le second, l'équipement et la formation à l'utilisation de ces nouveaux outils que seront les casques de réalité virtuelle. L'appropriation et la mobilisation de contenus pédagogiques immersifs existants, puisqu'il existe déjà des vidéos métiers 360. La nouveauté et l'innovation résident vraiment dans la création d'un outil immersif où on va pouvoir associer, au-delà des
des vidéos 360 qu'on peut retrouver d'ailleurs dans l'Orientibus. Hein. Et là, il s'agira en fait d'effectuer des gestes métiers. Le jeune sera en action, il sera vraiment acteur dans cet environnement qui sera décliné suivant les partenariats avec les grands secteurs d'activité. Alors, je vous propose très rapidement également, avec notre partenaire BAO, donc la boîte à outils virtuels, et Arnaud Bertrand, de découvrir le concept. Merci beaucoup Régis André pour ces outils très concrets, innovants et qui permettent effectivement d'apporter des réponses et de l'illustration. Je propose à Anne-Sophie Fagot peut-être de réagir en nous rappelant quels sont tous les liens créés mais aussi renforcés, cultivés sur le territoire finalement pour que la synergie de tous les acteurs soit la plus complète possible. Ça passe avec des liens avec la mission locale mais pas seulement. Oui, tout à fait. La mission locale, l'exemple est intéressant puisqu'en fait, il s'agit de le fruit d'un appel à projet qui a été porté par la région puisque nous souhaitions solliciter du territoire des actions innovantes en matière d'orientation. Dans cet appel à projet, 11 projets ont été sélectionnés. Et dans cette démarche partenariale, nous avons sélectionné ces projets avec le rectorat. Puisque nous travaillons avec eux dans le cadre d'une convention qui a été évoquée tout à l'heure par le recteur, qui nous permet de se coordonner pour répondre au mieux à cette nouvelle compétence et ces nouveaux enjeux. Donc c'est vrai que l'exemple de la mission locale est très riche à ce sens. Et le partenariat, il se décline aussi dans l'exemple que je pourrais vous donner des guides d'orientation, par exemple, qui ont été co-construits avec l'Éducation nationale pour communiquer ces guides après la troisième et après la terminale. Et puis, on a aussi l'autre élément qui me vient sur le partenariat dont vous évoquez, c'est la professionnalisation des acteurs. Puisque l'orientation, on le voit, doit être transmise avec des outils innovants et les métiers changent, les métiers évoluent. Donc, les acteurs de l'orientation doivent être formés à ces évolutions pour pouvoir les transmettre à leur tour auprès des jeunes. Donc, on est très engagés aux côtés du Carifourep et également de la CAFOC pour professionnaliser les acteurs de l'orientation. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à vos questions et pour clore cet axe consacré à la coordination des acteurs et à tous ces liens fructueux, je vous propose d'écouter une autre réaction, celle de Frédéric Marchand, chef du service académique d'information et d'orientation à l'Académie de Nantes. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, oui, et on vous écoute sur tout ce qu'on a pu partager sur ces axes 3 et 4. Écoutez, merci de cette invitation. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Donc là, je viens représenter les services académiques d'information et d'orientation qui en soi représentent déjà un beau réseau sur le territoire, un beau maillage que beaucoup connaissent évidemment à commencer par les CIO hein, qui sont des lieux d'accueil importants et où on travaille beaucoup ce processus de construction d'un projet d'orientation. Et je voulais juste revenir, sans répéter ce qu'ont dit les intervenants précédents, sur ce processus qui est long, progressif et continu. Alors certes, la présentation des métiers et des formations y participe beaucoup, hein, bien évidemment, et c'est de surcroît un processus qui nécessite un accompagnement au quotidien, qui est porté par les équipes, hein, les équipes en établissement scolaire. On peut rappeler ce que disait la principale du Collège de l'Anglais tout à l'heure, hein, c'est tout un projet d'orientation qui est porté dans l'établissement. C'est porté également en CIO, et donc à ce titre, j'ai une petite pensée pour les personnes de direction, les professeurs principaux, les psy-EN qui œuvrent au quotidien.
Alors sur ces deux aspects, d'un côté la présentation des métiers et de l'autre l'accompagnement, évidemment dans le cadre de la convention que nous avons signée en partenariat le 30 janvier 2019, il s'agit de mettre en place une collaboration, une bonne coordination entre les services de l'État et les services de la région. Et ce n'est pas du nouveau, on ne part pas de zéro, hein, monsieur le recteur l'a rappelé, on est sur une collaboration qui existe déjà depuis un certain temps. Sur ce nouveau champ, il sera peut-être important d'apprendre à se connaître, hein, bien évidemment, que tous les interlocuteurs se connaissent. Monsieur Martin tout à l'heure parlait des référents régions qui vont, les référents orientation, pardon, qui vont devoir trouver leur place dans le fonctionnement global et dans la coordination. On peut évidemment envisager et travailler à l'articulation des actions de tous pour pouvoir intégrer ces nouveaux outils que vous proposez dans les parcours éducatifs qui sont portés en établissement scolaire et qui viennent compléter la large palette d'actions qui est déjà proposée par les services académiques. Donc évidemment, nous sommes engagés dans ce travail en commun, hein, tous les acteurs de l'orientation, et on a une première réunion ou une seconde réunion de travail, elle a été annoncée dans votre présentation tout à l'heure, la semaine prochaine, et c'est une réunion multipartite qui va permettre d'entendre les points de vue de tout le monde et d'avancer ensemble, comme l'a dit monsieur le recteur tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Marchand pour votre réaction, et il y a quelques questions auxquelles nous allons répondre maintenant. Pour vous André Martin, il semble que dans les différentes interventions de cette émission, il n'a pas été fait référence au SPRO, le Service Public Régional de l'Orientation. Est-il toujours d'actualité ? Mais oui, il est d'actualité, sauf que lui aussi, il se transforme. Ah oui. Le SPRO, c'était un service public régional de l'orientation qui s'insérait dans une démarche qui était celle du Conseil régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CREFOP. Et le CREFOP s'est transformé, les commissions du CREFOP sont en train de se transformer, et pas plus tard que lundi prochain, au moment où je vous parle, nous serons en bureau du CREFOP, et nous allons entériner les feuilles de route des commissions. Alors il n'y aura pas une commission SPRO, mais il y aura une commission territoire et orientation, puisque le sujet il est très souvent traité à l'échelle des comités locaux, à l'échelle des bassins d'emploi. Et on a souhaité vraiment que ce qui peut s'initier à l'échelle locale puisse alimenter une réflexion à l'échelle régionale cette fois-ci. Donc j'aurai le plaisir de présider cette commission territoire et orientation en accord avec tous les partenaires sociaux de la région, représentant les employeurs, les salariés et tous les partenaires qu'on a pu évoquer à travers l'axe 4 qu'Anne-Sophie Fago a commenté tout à l'heure. Donc le SPRO a vécu, il va vivre autrement, il va se transformer et on va pouvoir agréger, à agglomérer toutes ces initiatives pour que tout le monde puisse en profiter et que les acteurs puissent aussi s'inspirer les uns des autres. Toujours pour vous, André Martin, puisque vous parlez partenariat, dans les partenariats de la région, quelle place pour les branches professionnelles ? Les branches professionnelles, c'est au quotidien. Demain, je serai avec le secteur de la construction, vendredi avec les entreprises de proximité. On a voulu, Christelle Morancet a voulu, que l'on développe des dialogues sectoriels. Donc, on a utilisé le périmètre des opérateurs de compétences, les fameux 11 OPCO, pour développer ces dialogues. Et évidemment, derrière un OPCO, il y a des branches professionnelles. Il y a des branches professionnelles. Demain, je verrai la CAPEB, je verrai la Fédération française du bâtiment, je verrai la Fédération des travaux publics. Demain après-midi, on discutera évidemment aussi d'orientation, comment amener les jeunes vers les formations et les métiers qu'ils proposent. Donc ces dialogues sectoriels, on les conduit, on les rassemble. On a fait celui d'Inter-Industrie, on a fait celui des métiers de l'animation, du sport, de la culture. On a fait celui des entreprises de proximité, de la construction. On va épuiser, j'allais dire, la liste des 11 très rapidement, puisque le souhait de Christelle Morancet, c'était de conventionner des programmes d'action avec chacun des secteurs, mais surtout avec chacune des branches et fédérations. Donc le dialogue est en cours sur le terrain. Merci. Une question pour Régis Jacquemin, qui est toujours connecté à nous. Il existe des jeunes de 15 ans décrocheurs et qui ne sont pas accompagnés. Département, établissement, ils ne peuvent pas accéder à la mission locale. Comment les accompagner quand ils ne veulent pas revenir vers la formation ? Faut-il les y obliger ? Une réaction ?
Très bonne remarque. Faut-il les y obliger? L'obligation de formation, alors pour les 16-18 ans, nous amènera à en faire un signalement, hein, mais auprès des conseils départementaux. Si on prend des plus jeunes de 15 ans, l'intérêt, c'est de leur faire comprendre un petit peu l'intérêt de l'école, de leur redonner du sens. Et il faut aller, en tout cas, même si on ne peut pas les y obliger, il faut aller les chercher pour au moins avoir du contact avec eux. Merci. Une dernière question pour Régis André, cette fois. Donc, effectivement, c'est la journée des Régis et pourtant, c'est la Saint-Clément. Donc, vous voyez, c'est bizarre tout ça. Régis André, une question. Wire n'est-il pas finalement un e-portfolio? Pas tout à fait. Wire, c'est avant tout une posture d'accompagnement et un outil d'accompagnement. Je ne sais pas si on m'entend. Si, nous, on vous entend très bien. Vous pouvez continuer. D'accord, excusez-moi. Donc oui, je disais Wire, en fait, c'est une posture d'accompagnement assez ludique et nouvelle. Il ne s'agit pas du tout d'un coffre-fort du numérique ou en fait un espace où on pourrait compiler et stocker en fait des informations liées à son parcours. C'est vraiment en fait un outil pour se raconter, se révéler et travailler à distance également avec les jeunes sur la question de l'orientation de façon très très humaine et très authentique. Le mot-clé, c'est vraiment l'authenticité et ludique, parce qu'en fait, on accompagne les jeunes en fait avec une porte d'entrée numérique qui est extrêmement simple d'accès pour eux et qui leur permet de s'approprier en fait leur discours pour communiquer sur leurs envies et sur le jeu en tant qu'individu. Voilà. Merci pour cette réponse, Régis André. On arrive déjà au terme de ce Grenelle de l'orientation dématérialisée. En tout cas, ce deuxième Grenelle très riche en échanges. On a réussi. Mission accomplie, André Martin. Oui, mission accomplie et bravo d'avoir, à tous d'avoir relevé le challenge. Bravo à l'équipe de Samuel qui œuvre depuis maintenant de nombreux jours pour rendre cela possible. Bravo à l'équipe technique et à vous, Cécile, qui avez relevé le défi également. Je pense qu'on avait besoin de se retrouver. Monsieur le recteur l'a dit, on a fait un comité de pilotage il y a quelques semaines. On avait besoin de se retrouver, alors c'est vrai, à 600, 700 personnes cet après-midi pour faire un peu le point et surtout tracer les perspectives, puisque comme l'a redit Christelle Morancet, ce plan régional de l'orientation, c'est avant tout une aventure, une œuvre collective. C'est tous contributeurs, c'est tous animateurs de cette démarche que nous allons pouvoir apporter des réponses à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, en mal d'orientation. Tout au long d'un parcours en gardant l'optimisme chevillé au corps. Et je vous propose de terminer sur ce mot. Merci Anne-Sophie Fagot. Merci à vous toutes et tous qui étiez avec nous, si nombreuses et nombreux. Sachez que vous pourrez retrouver tous les supports qui ont été diffusés et l'intégralité de cette émission sur, maintenant vous connaissez par cœur, choisirmonmétier-paysdelaloire.fr. Très belle fin de journée à toutes et à tous. Merci et à bientôt.